Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis à la Comédie-Française pour assister aux coulisses de la captation Pathé Live du spectacle Electre Aurès, mis en scène par Ivo Van Hove. Et pour nous montrer les coulisses aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Loïc Corbery. Donc, je suis avec Loïc Corbery et nous sommes juste au-dessus du carré régie qui est là. Captation ce soir c'est de Electre Aurès. Oui. Après combien de représentations? Un peu. On a dû en faire une dizaine, je pense, une dizaine. D'habitude, on fait les captations pour le cinéma. Là, pour Pathé, on les fait parfois la deuxième saison, à la reprise. Sinon, on les fait au bout d'une vingtaine. Là, c'est assez tôt. Est-ce que ça change quelque chose de jouer avec une caméra dans la salle, quand tu le sais? Ouais, on va pas se mentir, évidemment. On sait qu'en plus des 800 spectateurs qu'on va rencontrer dans la salle, on sait que derrière un écran, il y aura un peu partout en France, voire un peu plus tard en Europe et dans le monde, il y aura des spectateurs qui vont voir la même soirée. Donc ouais, ça fait un peu quelque chose. Après moi, sincèrement, passer le petit trac avant d'entrer en scène, je me rends compte que finalement je joue pour les 800 qui sont là. Tu les prends pas en compte les caméras? Ça influe pas ton jeu? De toute façon, on ne sait pas. De toute façon, les caméras, on ne sait pas vraiment où elles sont. On ne sait pas où elles sont passées, où elles sont placées, où elles sont passées aussi. Non, c'est pas. Parfois c'est un rapport où on se dit tiens, peut-être qu'il faudrait être un peu moins. On va. On se dit. Petit accident de parcours. Ouais, on se dit peut-être qu'il faudrait être un peu moins expressionniste ou un peu plus sobre dans le jeu. Ouais. Et puis finalement, quand même, on est là. Enfin, c'est d'abord du théâtre. Hein. C'est du théâtre qu'on filme, mais c'est du théâtre. Est-ce que tu les as vus, toi, justement, les captations passées? Est-ce que ça a pu changer aussi ton rapport à la captation? Alors, non. Je ne les ai pas regardés. J'en ai entendu beaucoup, on en a beaucoup parlé. Mais je ne les ai pas vus parce que j'ai, comme la plupart des spectacles, je les joue encore. J'ai pas envie de me voir en fait. Ouais, j'ai pas envie de me voir dans les spectacles que je suis en train de jouer, tu vois. Le Misanthrope, on va le reprendre. Le Petit Maître, on le reprend aussi l'année prochaine. Non, je regarderai ça plus tard quand je serai vu, je pense. Pour me souvenir. Là, on est dans le foyer des artistes. Ouais, là, on est dans le foyer des artistes. C'est là où on. Voilà, tous les soirs, on attend un peu l'entrée en scène, où on se retrouve entre deux scènes. Ok. On dit beaucoup de conneries. Enfin, voilà, c'est l'endroit de détente, quoi. C'est un peu la colo. Et une fois qu'on passe cette porte, on commence à se concentrer normalement. Ah oui, là, parce qu'on va directement dans le couloir, ouais, direction la scène. Là, si tu files tout droit, tu arrives sur le plateau. Là, ils sont en train de changer le décor parce que cet après-midi se répétait la vie de Galilée. Et du fait de l'alternance, cet après-midi, c'était le décor de Galilée qu'ils sont en train de démonter pour monter le décor d'Electro-Rest qu'on joue ce soir. Ok, on a déjà quelques poignards qui traînent. Ouais, ça c'est le mien, tu vois. Ça, c'est celui avec lequel je vais essayer de dégorger Rebecca Marder ce soir. Il y a des accessoires que je peux pas te montrer. Parce que attends, est-ce que je peux toucher quand même sur le coin de la lame? Parce que moi, c'est ça qui... Non, ça va. C'est ça quand va. Même très soft. Ça va. C'est émoussé, c'est arrondi là, c'est soft. À la base, c'est des vraies armes, hein, mais qui passent à la meuleuse pour que ce soit... Enfin bon, dans la bouffe quand même qu'on fasse ça. Ça reste un objet lourd quand même. Même émouché, tu peux te faire mal. T'as un stress par rapport à ça? Tu vérifies tes accessoires avant de monter en scène ou t'as confiance? Ça peut m'arriver. Pas dans cette maison. Dans cette maison, j'avoue que j'ai extrêmement confiance. Tu vois, dans la technique, dans tous les gens qui bossent avec nous au quotidien. Mais ça peut m'arriver quand je bosse dans d'autres théâtres où je connais moins les gens ou de vérifier des mises, de vérifier des places, même des places. Après, j'ai des rituels aussi, misanthrope par exemple. Misanthrope, tous les soirs, je passe au plateau avant, d'abord pour répéter le piano, et puis aussi pour vérifier mais au millimètre près parfois la place d'un meuble, une chaise. Ah ouais? Ça te rassure? Ça me rassure et je suis un peu barré. Donc là, on a l'entrée de scène, c'est ça? Donc là, on est à court. Et là, tu vois, là, si on va par là. Là, on voit les instruments qui sont au fond de scène. Juste là, comme ça. Là, il y a des gens qui bossent, mais. Si tu vas juste là comme ça, tu vois, là, on est, c'est le plateau. Ok. C'est là où on attend tous les soirs de rentrer. Ah oui, c'est la fameuse passerelle. C'est ça. Un peu dramatique. Il y a beaucoup de terre partout. Et la moquette remercie Ivo Van Hove pour ouais, encore. Là, t'as encore de la moquette. Là, dans quelques heures, dans une heure, je pense que tout ça va être couvert de bâches en plastique. Si tu ah oui, d'accord. Pour pas trop saloper le théâtre. Là, donc, on était à l'étage de la scène. Ok. Et maintenant, dès qu'on monte dans les étages, à part le tout dernier étage qui est l'étage des ateliers costumes, enfin pas costumes, tailleurs, couturières, on confectionne des costumes. Là, quand on monte dans les étages, on est uniquement dans l'étage des loges. Tu as l'étage Mars donc. Ouais, moi je suis à Mars. Tous les étages ont des noms d'acteurs célèbres de la maison sans son nom, Mars Rachel. Je vois ton nom là. Le plaisir de revenir. Alors ça, on pourrait croire que c'est une porte de loge, mais en fait c'est un placard qui est fermé là dans lequel on met les costumes, tous les costumes que j'utilise en ce moment.
D'accord. Donc là, il y a normalement les costumes des damnés, les costumes d'Electro-Rest. C'est toi qui as chargé de prendre tes costumes avant d'entrer en scène ? Non, on me les met, on les prend en ce placard, on les met dans ma loge. Mon habilleuse, les met dans ma loge. Laurence Viala, Stéphane Darupen, Claire de la rue du Camp, et voilà. Et là, c'est chez moi. Tu as toujours eu la même loge ? Non. En fait, quand t'es pensionnaire dans la maison... J'ai l'impression d'arriver chez toi, en fait. C'est un peu ça, hein. Quand t'es pensionnaire dans la maison, tu partages ta loge avec quelqu'un. Ouais. Les pensionnaires sont à deux dans leur loge. Et après, une fois que t'es sociétaire, t'as une loge pour toi. D'accord. Moi, j'ai eu la chance de partager ma loge pendant 5 ans de pensionnariat avec Clément, Hervieux-Léger. Ok. J'ai eu du mal à la quitter, cette loge. D'ailleurs, je suis resté... J'ai eu une loge toute seule quand j'ai été nommé sociétaire, mais je suis resté un peu plus longtemps avec Clément parce qu'on n'avait pas envie de se séparer. Mais t'as même eu du mal à te quitter dans le travail finalement, parce que vous étiez ensemble il n'y a pas si longtemps à l'Odéon. Exactement. Oui, c'est fou, c'est un petit appartement étudiant en fait. C'est ça, c'est un petit pied-à-terre si tu veux. T'as quelques mètres carrés en plein centre de Paris, dans un bâtiment qui est assez merveilleux. Beaucoup de souvenirs. T'as beaucoup de globes terrestres. Ouais, parce qu'un jour j'ai récupéré, j'aime beaucoup ces objets-là, et un jour j'ai récupéré un stock de globes. J'aime bien, et tout d'un coup j'aime bien le fatras que ça représente. Ça, tout ça c'est le matériel du seul en scène que j'ai fait cette année, de Hamlet à part. Bah tiens, justement. Là, tu vois une photo. Attends, je vais faire des plans. Mais attends, on a les damnés. Les damnés, ça c'est une photo que m'a offert ma mère, du Mahabharata de Peter Brook à Avignon. Ah bah oui, elle a carrément bon. Ouais, en 85. Que la j'ai première vu. Utilisation de la carrière Bourbon dans l'histoire de la vie. Exactement. Et moi, j'ai vu le spectacle, donc j'avais 85, tu vois, j'avais 9 ans. Avec quand même, Andrzej Séverin, que j'ai retrouvé dans cette maison quelques années après. Et les petits cornichons. Bah ça, c'est le cadeau de première de Julie Sicard pour Electro-Rest. On va savoir pourquoi. Ok. Qui m'a offert une boîte de cornichons. Mais tu vois, là, dans cette vitrine, il y a plein de cadeaux de première. Tu vois, Benjamin Lallet, Vous faites tous des cadeaux de première entre vous ? Ouais, encore, on essaye. Ça, c'est Florence Viala qui m'avait sculpté cette petite statuette d'Alceste, de moi en Alceste, dans la mise entre eux. On essaie d'entretenir la tradition quand même, qui est importante. Ça fait important, la tradition, au théâtre. Bah, surtout ici, en fait. Ouais, après, c'est ici que c'est difficile, parce que quand t'as 2 ou 3 créas par an, ouais, avec des grosses distribs, ça fait pas mal les cadeaux de première. C'est un bon budget, quand même. C'est vrai. Puis voilà, plus tu vois, t'as des souvenirs. Des photos avec Jacques Weber, quand j'étais tout jeune acteur. Évidemment, c'est Georgia. Papier incroyable sur Georgia, Chiro qui traîne dans les parages, toujours un peu. Et ton costume qui est prêt ? Et mon costume pour ce soir, qui est propre pour l'instant. Qui reste pas très longtemps. Bah en tout cas, merci beaucoup. Bah, je t'en prie, c'est super. Vraiment, avec et plaisir. Bonne captation. J'ai pas dit spectacle. Voilà. Très bien. Très bien. Donc tu seras un peu avec nous ce soir ? Ouais, mais dans la régie. Bon, tu nous rajouteras. Tu me remonteras. Super. À tout à l'heure. Ciao. Et maintenant, on va au Car Régie pour rencontrer le réalisateur de ce soir. Alors maintenant, je vais vérifier que tout le monde est là pour pouvoir faire un déroulé. Voilà, c'est ambiance. Hein. Imaginez, les spectateurs sont en train de rentrer. Nous avons nos spectateurs dans la salle de cinéma et l'idée, c'est juste de montrer l'ambiance de la Comédie Française. Après, ça va disparaître. Quand ça va commencer, on sera dans un thriller psychopathique, ensanglanté, et donc on aura oublié cette jolie salle. Génial. Et donc là, je fais vivre, toi. Ouais. Tu fais vivre, tu fais plusieurs fois. Je dis Antoine, tu dis magnifique. On veut la Comédie je Française. Passe la glisse. Voilà, super beau. Corentin, salut. Tu réalises cette captation de Electro-Rest à la Comédie Française. C'est ta deuxième captation pâté. Pour pâté, exactement, oui, c'est ça. La première, c'est La Nuit des Rois. Comment t'as travaillé en fait ? Déjà, ça fait combien de temps que tu travailles sur cette captation ? En amont, disons, en jour plein, ça fait à peu près 12 jours, 12-15 okay. jours. En amont, c'est à peu près un mois et demi avant pour caler bien les choses, etc., voir le spectacle en avance et tout préparer dans le détail, quoi. Et mais c'est quand même 10-12 jours pleins intenses de préparation, quoi. Là, la première d'Electro-Rest à la Comédie Française, c'était il n'y a pas très longtemps. Ouais, donc je l'ai découvert un peu, je suis allé avant en répète en fait, je suis allé voir 2-3 répètes avant pour okay. commencer à voir un peu le... Et puis il fallait que je rencontre à chaque fois le metteur en scène pour discuter avec lui aussi, donc il fallait que j'aille voir un peu à quoi ça allait ressembler avant de le voir lui. Et justement, tu travailles avec lui, avec Ivo Vanov ? Alors, ça dépend des metteurs en scène, je les rencontre pour, voir un peu avec eux ce qu'ils préfèrent ou s'ils ont des attentes ou s'il y a des choses
choses qu'ils veulent me transmettre ou quoi. Les metteurs en scène sont hyper différents, c'est assez intéressant. Il y en a qui veulent vraiment intervenir dans la captation, qui ont vraiment des idées où c'est important pour eux. D'autres qui préfèrent me laisser complètement libre de faire ce que je veux. Et là, au niveau du direct, donc, parce que ce soir, vous êtes en condition du direct. Ouais. On est deux jours avant la vraie captation, ouais. La diffusion en direct dans les cinémas. Comment ça se passe en fait pendant la pièce? T'as déjà en tête une conduite avec tous les plans de tout ce qui va se passer, de quelle caméra va être diffusée à quel moment, ou c'est un peu moins précis que ça? Ouais, non, c'est ultra précis en fait. Le truc, c'est qu'au cinéma, on peut pas trop se permettre, on est en vrai direct, il n'y a pas le moindre différé, donc en gros, une erreur est une erreur. S'il y a un comédien qui tombe, il tombe dans les cinémas, mais si nous, on se plante aussi dans les cinémas, donc on évite. C'est hyper calé, c'est-à-dire que moi, je décortique. Ce qui est bien, c'est qu'à la Comédie Française, on a quand même une sorte de professionnalisme absolu. Ouais. Donc du coup, on peut bien préparer en amont et bien verrouiller les choses. Et je fais vraiment un découpage. Moi, maintenant, j'ai poussé le truc encore un peu plus loin. C'est que je fais carrément des repérages avec plusieurs axes de caméra. Comme ça, je découpe même en voyant mes différents axes de caméra. Et je fais un découpage. En fait, c'est dommage, là, j'ai pas le script. Mais on a tout le scénario. Et en fait, on annote tout le scénario mot par mot quasiment. On a 9 caméras. Et à chaque mot, on envoie telle caméra sur tel personnage. Donc il y a, en fait, je travaille moi, en fait, l'équipe réalisation, je suis avec 2 scripts. Ouais. J'ai un script à gauche, une script à gauche, en fait, qui envoie des préparations de caméra. Elle dit 3, vite, va te préparer sur Ménélas, vite, va te préparer sur le cadavre en gros plan, etc. Et le script qui est à ma droite, lui, il m'annonce les tops des plans, c'est-à-dire le switch final. Okay. Lui, il dit top 4, top 5, ça c'est là. Donc la caméra, elle entend sa prépa, elle se cale, elle entend avenir et top 4, et là on est en grand écran. Quoi. Avec du son, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top LSM. Ok, parfait. Il dure 8 minutes 40. Donc en fait, il y a quand même la script qui travaille en amont a une énorme responsabilité parce énorme, que si ton caméraman n'est pas en place. En fait, je travaille avec elle, on fait tout ensemble. Okay. C'est-à-dire que pendant 10 jours, quand je te dis il y a 10 jours intensifs, c'est 10 jours avec elle où on prépare tout au cordeau mais au millimètre près. Quoi. Et là, tu as une idée du nombre de tops que tu as dans la Je pense entre 800 et 1000 à peu près. Entre 800 et 1000 plans, quoi. Donc là, pendant 2h20, c'est concentration non-stop. Ouais, bah tu vas voir tout à l'heure, ça n'arrête pas, quoi. C'est top 3, top 2, top 4, top 2, top 4. Et moi, ce qui se passe, c'est que j'ai appris quand même... je fais de la réalisation maintenant depuis 10 ans, mais avant, j'ai fait du montage et du switch. Donc j'ai appris avec d'autres réalisateurs aussi. Chacun a des méthodes très différentes, c'est assez intéressant. Il y en a qui sont plus ou moins dans l'impro et d'autres qui sont plus ou moins dans le verrouillage complet. Ici au cinéma, en direct cinéma, on peut moins se permettre l'impro, mais on a une petite marge quand même. Donc moi, je sais que de temps en temps, j'envoie 2 caméras sur le même truc, par exemple, et j'adapte un peu, c'est-à-dire que les tops qu'ils me donnent, je les suis pas forcément. En réalité, si tu regardes, j'improvise des trucs, mais voilà, c'est une improvisation dans un cadre. Ouais. Dans un cadre sécurisé. Si je prends juste les 2 qu'on a fait là pour Pâté, c'est assez intéressant parce qu'entre La Nuit des Rois, qui avait une passerelle au milieu de la salle, et celui-là, ouais, qui est beaucoup plus à l'intérieur, on est dans un truc plus fiction, comme je disais tout à l'heure, beaucoup moins dans le cadre de la Comédie Française. Et donc, c'est pas du tout la même manière de placer les caméras, pas du tout la même manière de filmer. C'est des problématiques complètement différentes. Oui, ça, c'est que là, tu vas fermer sur le cadre de scène pendant toute la présentation. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors que La Nuit des Rois, t'étais en permanence ouvert sur le public. Ouais, c'est ça. Il fallait que toutes les caméras puissent filmer la salle, en gros, et la passerelle, et qu'on comprenne. Sur La Nuit des Rois, il y avait un souci de lisibilité de l'espace, qu'on comprenne où on est quand on est dans une salle de cinéma, qu'on ait des repères, qu'on soit pas complètement paumé. Alors qu'ici, j'ai envie de dire, c'est plus... comme on est plus dans de la fiction, on peut être paumé au contraire. On peut rester que sur des gros plans, par exemple. Une fois qu'on a compris l'espace, l'espace ne change pas pendant 2 heures. Ouais. Et donc, on peut se permettre d'aller chercher que des gros plans à la suite, par exemple, et d'être dans un truc beaucoup plus intense d'émotion et de dramaturgie, sans être dans un truc de montrer toujours l'espace. Et donc ce soir, après le premier filage, entre guillemets, ouais,
va y avoir des décisions importantes à prendre ou on va boire une bière et puis après on va réfléchir à la suite. Non, en fait demain on retravaille avec tous les cadreurs en amont, on travaille avec tous les cadreurs autour de la table, ouais. Et on leur liste tout et on discute avec eux. Les cadreurs c'est un peu des interprètes hein, aussi, okay. C'est un peu comme des comédiens, c'est-à-dire que tu leur demandes un truc mais ils ont chacun leurs pattes, etc. Et t'adaptes des choses avec eux. Ils te disent aussi par rapport à ce que t'as prévu, s'ils pensent plus ou moins, etc. Ils peuvent adapter en direct aussi des fois, donc il y a des surprises. Mais voilà. Et en fait, demain, donc on avisera par rapport à ce qu'on a réussi et moins réussi ce soir, pour modifier les trucs demain et pour être prêt après-demain. Bon bah je te laisse à la réalisation alors. Bah merci, écoute. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. On prend l'antenne dans 5, 4, pour le LSR. 3, 2, 1, top carton. Mm-hmm.